Vous possédez un vieux mur, des panneaux un peu disgracieux, vous envisagez de planter une vigne vierge, mais quel genre de vigne vierge peut-on planter? À 3 ou 5 folioles? Pour faire simple, on va classer nos vignes vierges en deux grandes catégories. Il y a celles qui possèdent 3 folioles, c'est le cas des vignes vierges Vecchi, et dans cette même catégorie, on va retrouver des vignes vierges avec des feuilles assez importantes, c'est le cas de la Robusta, des feuilles qui font parfois 20 cm de largeur. Une variété, la Quinquefolia, elle possède 5 folioles, c'est une vigne vierge qui est assez vigoureuse, qui pousse un petit peu partout, et même dans certains cas, on peut dire qu'elle est invasive parce qu'elle aurait tendance à occuper des talus sans qu'on lui demande. Dans cette catégorie, on va retrouver deux vignes vierges dans les Quinquefolia, une avec des plus petites feuilles, la variété Angelmany. L'intérêt lorsqu'on plante une vigne vierge, c'est qu'elle pousse très vite. Alors pour ça, on va bien arranger sa terre auparavant. Alors on peut même bêcher, ça, n'hésitez pas à bien bêcher votre sol. Donc ça, on peut le faire sur 40, 50, voire 60 cm de largeur, voire même un peu plus. Donc la terre, il faut qu'elle soit assez enrichie, si on peut apporter un petit peu de terreau. Ici, le sol est déjà assez riche. On peut aussi apporter un peu d'engrais organique à la plantation, de la corne broyée, du sang aussi. Donc voilà, notre terre est maintenant bien arrangée. On va pouvoir planter notre vigne vierge. Alors j'ai choisi la Quinquefolia. La Quinquefolia, puisqu'elle aura la particularité de pousser très vite et elle va pouvoir justement combler ces panneaux et qui va me le cacher. Mais qui vont me cacher mes panneaux juste pendant la période, allez, disons à partir du mois de mars-avril jusqu'au mois d'octobre. À partir du mois d'octobre, les vignes vierges vont perdre leurs feuilles, des feuilles que vous allez ramasser à la pelle. À la différence du lierre, le lierre qui va conserver ses feuilles pendant l'hiver, mais avec ses crampons, il risque d'abîmer les murs, alors que la vigne vierge, avec ses ventouses, elle vient simplement chercher l'humidité et elle va s'accrocher tout simplement. Alors une fois qu'on a bien bêché tout autour, on va pouvoir faire notre trou. Alors l'idéal, c'est de la mettre la vigne vierge à l'aplomb du panneau ou du mur. Si vous manquez de place, à ce moment-là, on peut toujours mettre un petit grillage pour que la vigne vierge, par la suite, puisse gagner. Alors, la motte doit être bien humide avant la plantation, c'est le cas. On la plante toujours à la même profondeur lors de sa culture, donc niveau, et on remet de la terre fine tout autour. Alors attention, la vigne vierge n'aime pas les sols trop humides. Si vous avez un sol vraiment humide, argileux, apportez un petit peu des gravillons, par exemple, au fond du trou pour bien drainer afin que les racines ne soient pas dans l'humidité pendant l'hiver. Et on termine notre plantation toujours en mettant de la terre. On tasse légèrement tout autour de la motte. On ramène la terre. Toujours en faisant une petite cuvette. Voilà, notre vigne vierge est maintenant plantée. Et après toute plantation, un bon arrosage. Alors l'arrosage, il faudra le renouveler au printemps prochain. Alors si on veut gagner du temps aussi au printemps, sachez une chose, que ce ne sont pas ces pousses-là qui vont s'accrocher le long du panneau. N'hésitez pas à les recouper au printemps et ce sont les jeunes pousses qui vont s'accrocher le long. Ainsi, on va gagner du temps. Méfiez-vous aussi de la vigne vierge. Lorsqu'elle pousse, lorsqu'elle est plantée le long d'un mur, elle va souvent envahir votre toiture. Gardez-vous toujours une bonne marge et soyez toujours prêt et pensez-y. Il faut toujours un sécateur pour bien la couper de façon qu'elle ne bouge pas les gouttières.